un doyen, un patriarche, un témoin oculaire de la riche et tragique histoire du Cameroun s'en est allé. Napolitique non Djangui. La politique fonctionne comme une tontine ou une cotisation où chacun cotise et en bénéficie à son tour. On se souviendra toujours de cette définition triviale qu'il avait de la politique. Hachidi Achou a été depuis plus de 60 ans l'unique ministre à ce jour à avoir exercé dans les deux régimes successifs du Cameroun. Originaire du nord-ouest du Cameroun, plus précisément dans le département de la Mesa, Simon Hachidi Achou est né un 5 novembre 1934. Après les études primaires et secondaires dans son département, Simon Hachidi Achou va se lancer dans des petits boulots, question de trouver de quoi survenir à ses besoins et poursuivre ses études universitaires. C'est ainsi qu'il va débuter dans la commune de Bamenda Widikom en tant qu'adjoint stagiaire dans l'une des plantations de la Cameroun Development Corporation, entreprise au sein de laquelle il a su gravir les échelons et se distinguer. Ayant récolté assez d'argent, Simon va s'inscrire à l'université de Yaoundé 1, puis à l'école normale de l'administration et de la magistrature. À sa sortie de l'ENAM, il se lance dans la politique et débute en tant que traducteur-interprète à la présidence de la République. Son positionnement au sein du palais de l'unité lui permet d'être nommé le 24 juillet 1968 par l'ancien président de la République Amadou Ahidjo, inspecteur d'État, et 4 ans plus tard, il est nommé au poste de secrétaire général au ministère de la Fonction publique. En 1971, Hachidi Achou est nommé ministre délégué à l'inspection avant d'être promu ministre de la Justice en 1972. Il passera 3 ans au très prestigieux et stratégique poste de garde des Sceaux. Après la démission d'Amadou Ahidjo en 1982 et de sa condamnation à mort par coutumance à la suite de son implication supposée dans le coup d'État manqué de 1984 qui visait l'actuel président de la République Paul Biya, Simon Hachidi Achou est nommé par ce dernier Premier ministre du Cameroun en remplacement du Premier ministre Sadou Ayatou, appelé Premier ministre de transition parce qu'étant le tout premier ministre de retour au multipartisme qui devait conduire aux élections pluralistes de 1992. Avec ses nominations, Simon Hachidi Achou devient le tout premier anglophone à occuper ce poste ministériel d'avril 1992 à septembre 1996. Et le 19 septembre 1996, il cède son fauteuil à l'immeuble Étoile à Peter Mafané Moussongué. Membre fervent militant du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti politique actuel au pouvoir, il devient en 2013 sénateur du parti de la Flamme pour le compte de sa localité afin de mieux représenter les intérêts de la population de la région du Nord-Ouest. À l'époque, bien qu'affaibli par l'âge et la maladie, Simon Hachidi Achou a été présent sur le terrain pour la campagne électorale du candidat du RDPC. L'ex-premier ministre a été par exemple aux 2 grands meetings du candidat Paul Biya, organisés à Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest du Cameroun. Annoncé plusieurs fois mort dans les réseaux sociaux, Simon Hachidi Achou est décédé le 4 mai 2021 des suites de maladie dans un hôpital aux États-Unis d'Amérique où il était en évacuation sanitaire. Il faut rappeler qu'en 2018, les combattants sécessionnistes qui se sont opposés à la tenue de l'élection présidentielle dans les régions anglophones avait incendié le domicile de Simon Hachidi Achou dans la soirée du samedi 6 octobre à Santa, une commune du département de la Mesam, région du Nord-Ouest. Il faut souligner que le décès de cet ancien premier ministre camerounais intervient après une querelle de décès au rang des plus illustres, l'ex-directeur de la CRTV, le professeur Gervais Mendozé, le secrétaire d'État au ministère de la Santé publique chargé des épidémies et des pandémies, Alim Ayatou, et l'ancien ministre chargé de mission à la présidence de la République, Martin Aristide Léopold Okuda, tous décédés au cours du mois d'avril 2021.